Coucou tout le monde, c'est Guimau Binibou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais juste vous faire une petite vidéo info. Premièrement, je voulais vous dire que si je fais que des short Binibou music vidéos, c'est parce que vraiment, j'ai plus de mémoire. J'avais prévu quelques vidéos, j'avais des idées aussi, mais je ne peux pas les télécharger dans ma galerie, je vais vous montrer. Donc là, je peux aller sur CapCut sans souci, sauf que une fois que je vais télécharger ma vidéo, ça me met que je n'ai plus assez de mémoire. Donc je peux quand même la télécharger. Mais ça ne marche pas, à chaque fois ça me met qu'il y a une erreur quand je suis à 100%. Donc je ne peux rien faire, je ne peux pas vous mettre la vidéo sur YouTube, donc c'est très embêtant. Donc là je suis à 99% et ça me met un problème est survenu, merci de réessayer. Et ça fait tout le temps la même chose, donc je peux rien faire. Et donc c'est une vidéo de 7 minutes, c'était juste une vidéo où je vous montrais comment est-ce que je compte mes Binibou et comment je les range aussi à la fin. Donc tout ça, j'avais fait tout le montage, mais je pense que vous aurez pas la vidéo avant longtemps. Et surtout, bah, ça fait au moins un mois que je l'ai faite cette vidéo, donc c'est dommage. Je voulais aussi vous dire que comme c'est bientôt mon anniversaire, je vais avoir des Binibou et je voulais savoir si un haul ça vous intéresserait. Donc je vais vous montrer les Binibou que j'ai commandés pour mon anniversaire. Donc j'ai commandé Chéri, Zazie pour ma collection de Claire's Exclusive, Jinxie qui normalement a son masque sur les yeux, Pearly qui est une Claire's Exclusive en Amérique, et Vlad ou Vald, je sais jamais si c'est l'un ou l'autre, mais voilà. Et j'ai aussi pris ce lot sur Vinted. Donc je l'ai pris parce qu'il était à 17€ pour tous ces Binibou, c'est pas très cher, ça va. Et surtout parce qu'il y a un Binibou rare. Donc le Binibou rare, c'est Inky, la pieuvre violette. Voilà, pour moi elle est très rare. Dites-moi si vous pensez qu'elle est rare, mais je ne l'ai vraiment jamais vue. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai un petit haul de... je sais pas quoi. Je voulais aussi vous dire que comme je ne peux pas filmer sur mon téléphone, je suis obligée de prendre un autre téléphone, donc c'est un peu compliqué pour filmer les vidéos. Et aussi sur ce téléphone, je ne peux pas mettre mon intro et mon outro, donc je pense que je serai obligée d'en faire une nouvelle. Et pour les personnes qui voulaient un room tour, je pourrais pas faire un room tour maintenant parce qu'il me manque encore pas mal de choses dans ma chambre. Par exemple, j'ai beaucoup de murs qui sont vides, donc ça sera pas très intéressant pour vous de voir ma chambre. Voilà, je peux vous montrer vite fait, là tout est vide, donc il n'y a rien d'intéressant. Et dites-moi aussi en commentaire si vous avez des idées de vidéos. Donc je vais vous dire quelques idées que j'ai moi. Donc j'avais l'idée du room tour, mais je peux pas pour l'instant. J'avais l'idée aussi de vous montrer mes top 10 de mes Binibou préférés. Je voulais aussi vous faire une vidéo sur ma collection de Claire's Exclusive Binibou. Mais je les ai pas tous, il m'en manque à peu près 5 sur toute la collection. Donc j'attends encore un petit peu. Je voulais aussi vous faire une vidéo où je customise un Binibou zigzag. J'avais aussi une autre idée, c'était où je customise un LPS en Binibou. Je voulais aussi vous refaire une vidéo sur mes Binibou porte-clés, sauf que j'en ai d'autres qui vont bientôt arriver, donc je préfère faire une vidéo quand je sais que j'ai tout avec moi. Enfin voilà à peu près toutes les idées que j'ai maintenant. Je crois que j'avais d'autres idées, mais là je vous ai dit toutes celles que j'avais en tête. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. Je vous dis à bientôt et à dans une autre vidéo. Bye bye.